Bienvenue à cette nouvelle session de Kenshi. Eh oui, ma nouvelle version du jeu. Bon. Ouais. Durant le temps de chargement, j'ai eu le temps de commencer un tome de One Punch Man. De One Punch Man. Voilà. Que j'achète en manga en plus. Enfin, bon. Enfin vous en foutez. Vous en foutez, je sais. Ah, tome 6 pour ceux que ça intéresse. Ah là là. Alors, j'ai vu que les trois premiers épisodes de cette nouvelle session de Kenshi. Enfin, de nouvelle session, oula. De cette nouvelle saison de Kenshi était déjà en train d'être regardé. Ça faisait déjà un bon nombre de vues par rapport à mes autres vidéos. Ouais, bon, 15 vues, c'est pas énorme. Mais bon. Par rapport aux une ou deux que je fais avec Andromeda, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Alors, voyons voir. Cette interface, j'ai l'impression qu'elle est vachement mieux. Bon, c'est moi qui ai craqué. Enfin, genre, elle est un peu plus sombre, j'ai l'impression. Ou j'ai craqué, je sais pas. Je regarderai sur une vieille vidéo, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, à base, j'avais déjà dit que Kenshi, ça serait seulement pour l'été. J'ai déjà tourné une première session sur le jeu qui suivra. en commenté, hein, je parle. C'est un jeu, on va dire, avec un concept... intéressant, on va dire, ou tout du moins particulier par rapport au sujet traité. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus, ça serait une petite surprise pourquoi ce truc n'est pas verrouillé. Aussi, j'ai regardé où chercher les anciennes books qui me manquent. Pourquoi toutes ces merdes s'allument en pleine journée? Bon, bah, en fait, c'est un bug. Voilà. Et j'ai regardé où je pouvais en avoir. Et vous allez rigoler. Bon, ils finissent en ferme. Alors, map. Ah oui. Donc après avoir regardé, j'ai vu que je pourrais trouver l'une des choses que je cherche à peu près ici. Hein, là. Là où il y avait juste à côté des araignées sanglantes qui étaient ici. Et qu'il y en avait encore un autre quelque part dans le marais de la mort. Voilà. Donc actuellement, pour progresser dans la phase construction, je dois aller dans les zones HL. Enfin, trop plus haut level que moi, en tout cas. Je serais dégoûté que ce genre de zone, ça soit genre l'équivalent des zones pour niveau 20 de World of Warcraft. Ça serait horrible. Ça veut dire que si je peux même pas faire ça, mais ça veut dire que je suis quoi? Je suis quoi avec mon groupe de 14 pecnos? Bon. Plaisanterie à part, ça veut dire que... À moins d'aller se suicider dans des zones trop level, je vois pas comment faire pour progresser. C'est pourquoi j'ai pensé à quelque chose. Encore un marécage, mais il adore les marécages, le mec qui a fait ce jeu. Oula. Oula, j'aime pas bien ça. Je crois qu'il va vraiment falloir emporter une save en fait. Ah, il va vraiment falloir importer vers une nouvelle version. Enfin, ça serait chiant, surtout, pour une mini mise à jour. Mais bref. Du coup... Ouais. Ça veut dire que ça va devenir très ennuyeux. Enfin, en tout cas, pour moi, rester comme ça, regarder mes trucs se faire, alors que les mecs mettent 10 000 ans à faire quoi que ce soit, j'avoue que ça me saoule un peu à force. Donc, on va faire... Ce qu'on fait généralement quand on s'emmerde, on va se déplacer en groupe et faire chier les autres gens. Bon, on va pas aller s'attaquer à l'Empire Sacré, hein, je suis pas fou non plus. Mais on va aller piller les baraques isolées, comme on a déjà fait, de toute façon. Tuer des mobs, éventuellement tuer des gens. Ouais.
Ah oui, j'ai aussi vu que les Ancient Books sont illégaux dans l'Empire Sacré. Ah là là. C'est-à-dire que genre, ça veut dire qu'il faudra vraiment faire gaffe en entrant. Ouais, chelou comme structure. Enfin bref. Il faudrait peut-être fermer, finir les fermes avant. Ça pourrait être une bonne idée à tout hasard. Il est où le mec qui fait du. Oh, il y en a tant que ça. Bon, première chose. Non, map. J'ai envoyé quelqu'un à Bad Tiff. On va engager Ligus. Toi, viens, tu sers à rien de toute façon. Enfin, ça sert à rien. Elle est très utile, mais là, elle sert à rien. Faire en sorte que tout le monde ait assez de Medipack, etc. etc. De toute façon, on n'a pas de quoi faire de l'alcool, ils ont toujours pas commencé à construire des trucs en haut, donc on va partir sur de la vente de coton. Ça me semble un bon plan. Voilà, histoire d'optimiser un peu. Ou alors on peut mettre carrément comme ça. Ah, tu avais pas pensé le jeu. Hein. Enfin, bref. Médic. Parce qu'apparemment je sais pas soigner. Ah oui, je suis toujours avec le mode qui empêche la fin de descendre. Hein, parce que... Je l'enlèverai pour la prochaine session quand on aura ce qu'il faut. Alors, open. Lock. Map. Voilà, par là-bas. Il n'y a plus trop d'attaques de mobs. J'imagine c'est grâce à mes portes. C'est un peu dommage parce que ça flingue une bonne partie de ma production en fait. Enfin, j'avais quand même un peu de revenus grâce aux monstres. Quoi cet oiseau? Vous avez vu le l'oiseau qui montait comme ça? Allez, remarquez, il y a une barre de chargement maintenant à droite. Et ouais, cran d'avancée. Hein. Je me demande s'ils vont pas me dire non, les femmes sont interdites. Oh là, je sais pas. Facing upon you. Ok. Le bar. Ça, c'est les mecs du coin. Il faut le bar. Le bar. Deux bars. Oh, parfait. Excellent. Bien sûr, je recrute. Tiens, tu rentres. Oui. Informing science, ok. Stork. Oups. Non, non, stop, 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 stop. Attends, normalement, il peut même pas venir. Non, il peut pas venir. Comme
Bien. Vous serez désormais des clodos. Enfin, c'est ce que vous êtes déjà en fait. Vous serez des clodos affiliés. Ah, mais ton bar, il est pauvre. Bon, j'ai recruté deux clodos supplémentaires, c'est parfait. On va pouvoir monter une expédition d'enfer grâce à ça. Ça maintenant, ce petit symbole vert au milieu, c'est la mise à jour des améliorations. C'est dingue. Allez. C'est bon ça. Dust Storm. Il est juste celle qui est en Dust Storm en fait. Storm qui est juste à 2 mètres. Ah non, aussi. Mais par contre, Stinks, lui, Ouzef. On dirait que la tempête de sable en fait elle suit vraiment ces deux-là. Ils sont maudits en fait. Pas à quoi je vais les mettre en fait. Concrètement, je les ai ramenés, mais je vais en faire quoi? Peut-être qu'il opérera plus de grain silo du coup. Pour être plus efficace comme ça. En un, je mettrai sur les fermes parce que bon, voilà, faut bien. Ouais, bah, Max partagera avec Stinks en fait au niveau du ferme et Stork utilisera le silo à grain. Parce que là c'est en train de quand même bien s'empiler. Bard, explique-moi, pourquoi ne fais-tu pas à bouffer? Ah oui, parce qu'il faudrait de la farine peut-être, ouais, forcément. Je suis con par moment. Bon. Alors, Stork, toi ton job, c'est ça. Donc toi tu vas avoir un vrai boulot. Quand j'aurai trouvé les troufions qui sont censés s'occuper de ça. Oh non, ils ont fini? Non. D'accord. En tout cas ça va. Où sont les mecs qui sont censés construire tout ce bordel? Engineer. C'est génial, mais il y a de ces trucs, il y a de ces problèmes en fait. Bon, Max, tu vas gérer que 4 fermes.
Voilà. Sphinx, je gère celle-là. Ah oui, Golovin, oui, 90%. Si je ne regarde pas, forcément, ça va faire de la merde. Jean, je suis sûr que tu as de la merde dans ta hanter, évidemment. Espèce de sac à merde. Encore une fois, il s'amuse à ajouter juste une barre de chargement. Et des petits ajouts, quoi. Et des petits ajouts sympas, hein, qui... Comme ça, hein, d'accord. Mais gère le fait qu'ils vident leur inventaire. Voilà. Si le développeur regarde cette vidéo et qu'il comprend le français, fais quelque chose. J'en ai marre. Ça réduit l'efficacité en plus de ma base. Bon, attendant. Toi, t'as quoi? Ah ouais. Oui, c'est vraiment des clodos. Il faudra une armure, sauf que généralement on les vole, donc peut-être que on peut en fabriquer. Peut-être. Closing. Fabrication d'armure en cuir. Oh, ça peut servir. Problème, c'est que ça ne dit pas. Ah. Non, close point. C'est que ça ne dit pas où c'est censé se mettre. Donc je ne sais pas. Ça, c'est aussi un défaut. Il faudrait peut-être le faire. Il faudrait peut-être le gérer, ça aussi. Laser shirt. Laser vest, c'est peut-être au-dessus. On va tenter. Grande fabrication d'armure de cuir. Sauf qu'on n'a pas de cuir, donc ça sert à rien. Closing bench. Stork, t'as juste des pantalons qui ne protègent pas du tout. Et lui non plus. Peut-être essayer de vous faire des trucs un peu mieux quand même. Je vais plutôt partir là-dessus.